Je sais. Ça fait 4 mois, un peu plus, que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai disparu. Bon, il y a des raisons à ça, et c'est une des raisons de la vidéo aujourd'hui, mais on va passer tout ça brièvement en revue. On va faire un petit bilan aussi de cette année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont passées les courses auxquelles j'ai participé? On va faire donc un petit bilan de tout ça. On va voir aussi pourquoi, en milieu d'année, il y a eu un petit souci. Et puis aussi, on verra dans une deuxième partie ce qui nous attend en 2023 pour Passion Trail, le contenu que je vais y proposer, les programmes, etc. Donc là, je me rentre, ou je sais pas, je vais rester à l'extérieur. Je sais pas, au feeling, on va voir. Tout va dépendre de mon état de retour. Mon Dieu, c'est dur de prendre du poids. Bon, allez, à de suite. Voilà, me voilà de retour à la maison. Donc, petite session que tu peux retrouver désormais sur mon compte Strava. J'ai activé tout ça il y a très peu de temps. On va y revenir à la fin de la vidéo. Donc, dans une première partie, comme je disais, on va faire le bilan de 2022, le bilan un peu des courses que j'ai effectuées. Donc ça a démarré l'année dernière avec la course à Madère. C'était un format relativement court, mais c'était pour démarrer la saison. Le 16 km, ça m'a permis aussi de découvrir Lille, qui était magnifique. Hein. D'ailleurs, grâce au petit Hobbit, à Tony Bogno, on a fait de super belles images. Et je t'invite à aller voir la vidéo parce que vraiment, les images sont vraiment très très jolies. Donc n'hésite pas à aller cliquer et voir aussi le contenu de Tony qui fait de superbes vidéos. Il me manquait un petit peu quelques spots que j'ai pas pu visiter parce que le mauvais temps. Donc je pense que j'y retournerai pour profiter pleinement de ces spots que j'ai pas vus. Et en ce qui concerne la course en elle-même, elle s'est très bien passée, j'étais plutôt bien préparé, c'était forcément un format court, donc un format assez intense. J'avais préparé ma vitesse, j'étais relativement content, et la course en plus, même si le format était court, elle était très très belle. On longeait toute cette corniche là que tu retrouves dans la vidéo, c'est vraiment magnifique. Donc première course qui s'est très bien passée, on a enchaîné ensuite en revenant sur la préparation pour le marathon du Mont Blanc, le format cross, le 23 km. La préparation s'est très bien passée. Et puis, vers la fin, quelques semaines avant, voilà, j'ai eu un petit aléa, on va dire personnel, des petits aléas de la vie qui font que je n'avais pas le contrôle de tout ça, et forcément, ça m'a impacté physiquement, ça m'a impacté aussi moralement. Donc, les dernières semaines ont été assez compliquées, et même par la suite, ça a été assez compliqué. Je ne pouvais plus faire de séances trop intenses, donc je restais sur des sorties toutes simples. Des sorties de fond, endurance fondamentale, quelques accélérations, mais il n'y avait pas vraiment de séance de qualité. J'en rentrais très très peu, par manque d'énergie, par manque de jus. J'ai quand même eu de bonnes bases, et la course du marathon du Mont Blanc s'est super bien passée. On a eu un temps exceptionnel, malgré que le 90 avait été annulé juste avant. Donc dommage pour eux, mais nous par contre on a eu un temps vraiment exceptionnel, et c'est là où j'ai eu l'idée donc de me dire pourquoi pas revenir l'année d'après et faire le kilomètre vertical. Il me manque ce format là, on en parlera tout à l'heure. Donc la course s'est très bien passée, hein, néanmoins, même si le moral n'était pas là, si le physique n'était peut-être pas non plus à 100%, mais j'avais quand même de bonnes bases, ce qui m'a permis quand même de faire une très bonne course. Sorti de là, on se prépare pour Cierzinal. Et là aussi, toujours pareil, hein, comme je disais, ça m'a suivi pendant quelques mois. Manque de jus, donc très très compliqué pour moi de rentrer des séances de qualité. Je suis parti dans le Valgaudemar pendant 3 jours pour essayer de faire un petit stage en altitude pour me mettre, on va dire, en forme, m'adapter un petit peu. Mais c'était assez compliqué quand même, bien que ça m'a quand même fait du bien. Je suis arrivé à Cierzinal, j'étais quand même bien aussi. Hein, faut pas non plus tout mettre sur le compte de ce qui s'est passé. Mais quand même, j'étais pas à 100%. La première partie de la course était bien passée, la deuxième beaucoup moins. Comme je disais, il me manquait un petit peu de jus. Et je suis resté un petit peu sur ma faim, malgré que la course se soit bien passée, qu'elle était aussi exceptionnelle au niveau du temps. Enfin bref, c'est vraiment toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit le top. Ça l'était. Mais je vais revenir, je pense, pour être un peu plus prêt et vraiment profiter à 100%, notamment de ma condition,
où je sais que je serai préparé à 100% et aussi du terrain. Donc je reviendrai à Cierzinal parce que c'est en plus magnifique. Honnêtement, le Valais est vraiment fantastique. De là, quand je suis sorti de Cierzinal, je devais finir ma saison sur un marathon, un format marathon à l'Ultra Pyrénéou, et j'ai pris la décision d'annuler parce que je savais que si je forçais la main, j'allais me cramer et je voulais pas risquer. Donc j'ai pris cette décision d'annuler le marathon et j'ai décidé de me reposer tout le mois de la fin août et début septembre. J'ai décidé de bien lever le pied. J'ai voulu reprendre l'activité au mois d'octobre, mais malheureusement j'ai été touché par le Covid. On a enchaîné par la suite en novembre avec une grippe, et puis au mois de décembre j'ai enchaîné avec un blocage du dos, une grosse lombalgie qui m'était plus arrivée depuis quelques années. Donc là, beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à me déplacer, à faire de simples gestes, et j'ai été vraiment bloqué pendant plusieurs semaines. C'était un peu léger au début, mais très lourd sur la fin. Donc je suis resté tout le mois de décembre bloqué. Je suis entre temps parti en vacances, donc je suis revenu, ça allait beaucoup mieux déjà, j'ai pu reprendre une activité très progressive et j'ai vraiment repris l'entraînement depuis le 24 janvier. Donc c'est tout frais ici aujourd'hui, on est le 3 février, donc ça fait 2 semaines. Je reprends vraiment progressivement. Malgré tout, tout s'est bien passé, il n'y a rien eu de grave. Je reprends progressivement l'entraînement, je suis beaucoup plus focalisé sur la musculation pour reprendre du tonus musculaire, pour reprendre du volume. D'ailleurs, j'ai bien pris du volume, on est à 89-90 kg à l'heure actuelle. Donc ça commence à faire un petit peu. D'habitude, je suis à 82-81 kg, donc là j'ai pris pas mal de poids, c'est normal. Je suis en prise de masse, un petit peu de musculation fait du bien, honnêtement, ça me retonifie. Et puis à partir de mars, je lèverai le volume sur la musculation et l'accentuerai plus sur la course à pied et le trail. Bon, maintenant on enchaîne sur la deuxième partie. Qu'est-ce qui va attendre Passion Trail pour 2023? Évidemment, j'ai plein de projets en tête. En premier, je vais parler des vidéos et du contenu que je proposerai cette année en 2023. Il y aura peut-être moins de posts que les années précédentes. On peut réactualiser certains sujets dont on a déjà parlé. Et d'ailleurs, je t'invite à me poser les questions dans les commentaires ci-dessous si tu veux qu'on réaborde certains sujets au niveau de l'entraînement trail, au niveau même du renforcement musculaire. Donc n'hésite pas à le signaler dans les commentaires ci-dessous. Et puis on verra un peu tout ce qui ressort et on fera une vidéo si vraiment il y a de la demande. Et je proposerai néanmoins des vidéos de qualité. Parce que comme d'habitude, je veux toujours faire de la vidéo qualitative. Je veux proposer quelque chose d'intéressant qui apporte vraiment une plus-value. Sinon, je vois pas d'intérêt de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je proposerai aussi des formats courts maintenant, parce que c'est vrai que le format short est assez intéressant, de plus en plus utilisé, visualisé. Donc je proposerai des petits formats shorts pour résumer des séances de musculation, pour résumer des séances d'entraînement en course à pied, même renfo en extérieur, etc. Je trouve ça plutôt intéressant pour même échanger quelques expériences. Et puis ensuite viendra très prochainement du contenu particulier. Il y a maintenant 3 ans, j'ai lancé un programme de préparation physique générale qui marche encore aujourd'hui très bien. Et honnêtement, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Je suis vraiment content des retours, des commentaires que l'on a pu me faire à ce sujet, des messages que l'on m'envoie sur Instagram, etc. Alors encore merci. Aujourd'hui, donc, j'ai mis au point un programme de préparation physique générale, un programme de PPG, mais aussi une petite partie plus spécifique PPS que j'ai préparé les mois où j'étais un petit peu convalescent. J'ai peaufiné tout ça aux petits oignons. J'ai mis bien entendu là-dedans toute l'expérience que j'ai pu emmagasiner lors de mes entraînements de trail des années précédentes et la préparation physique, et notamment lorsqu'il y a eu la période Covid où les salles de sport étaient fermées, où j'ai dû m'entraîner énormément au poids du corps. Ça m'a apporté énormément, donc j'ai fait un condensé de tout ça, j'ai appris énormément et tout ça, je l'ai mis dans ce nouveau programme que je proposerai très bientôt. Il ne me manque plus que les vidéos à tourner au niveau des exercices et puis je la mettrai en ligne. Donc voilà, je pense qu'on a fait pratiquement tout le tour. Il faut savoir que désormais, j'ai aussi pris le temps de me pencher sur mon compte Strava. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais activé ça, donc mes séances se synchronisaient, mais je faisais pas du tout attention. Donc j'ai pris le temps de me pencher dessus et désormais je vais poster toujours le contenu de mes séances, quasiment pratiquement tout le temps, le contenu de mes séances, qu'elles soient en renforcement musculaire ou en course à pied ou en trail. Je mettrai un petit peu les détails là-dedans, donc c'est à jour.
on peut aller y jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore déjà le cas, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Strava. Et si tu as des questions à ce sujet, surtout, n'hésite pas. Donc, je pense qu'on est bon. J'ai pas mal de vidéos qui sont déjà préparées, qu'il faudra que je finalise pour les mettre en ligne. Donc, c'est reparti. Passion Trail, ça repart de là. J'espère que tu es aussi motivé que moi. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. On se rejoint encore sur les réseaux sociaux où je suis quand même actif, où je vais reprendre mon activité du coup, sur Instagram, sur Facebook et bien entendu sur Strava désormais. Donc on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur. Salut, ciao!